Gouverneur en délégation. Le ministre est venu avec une délégation. Et dans cette délégation, il est venu avec quelqu'un en qui nous n'avons pas entièrement confiance, qui est venu à plusieurs reprises à Gounas et qui n'a jamais mis les pieds chez le calife. Et aujourd'hui, qui accompagne cette délégation, qui vient dire qu'il vient pour la paix. Alors qu'il s'est affiché pour un camp bien déterminé. Je veux nommer le capitaine Touré, que vous connaissez tous, qui a fait la une des journaux. Qu'est-ce qu'il avait à faire dans cette délégation? Voilà. Donc, nous sommes en droit de nous poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est derrière, ou bien qui sont derrière ces gens? Parce que c'est un petit groupe de personnes. Nous sommes sûrs et certains que ce n'est pas de gaieté de cœur. Que tout le monde, même ceux qui ont agi, ils n'ont pas fait de gaieté de cœur. Parce qu'on ne veut pas indexer un groupe, on ne peut pas indexer une personne, mais on peut indexer un petit noyau de personnes qui est là, qui depuis un certain temps, pour des intérêts personnels, des intérêts politiques, qui veulent déstabiliser la cité. Là, voilà pourquoi nous sommes là, réunis, pour trouver une solution. Donc nous appelons l'État à plus de responsabilités. Parce que c'est un problème de responsabilité qui se pose. Nous sommes en droit de nous demander où va notre pays. Si même dans votre propre maison, dans votre cité, vous ne pouvez pas avoir la paix, à tout moment, on peut vous agresser, vous tuer, sans qu'il ne se passe rien. Alors, peut-être vous, pour la jeune génération, mais nous qui avons fait notre temps, on n'a pas connu ça dans notre jeunesse, nous n'avons jamais connu ces dérives-là. Donc, je crois que le ministre de l'Intérieur, il nous écoute, tout le Sénégal, il nous écoute. La diaspora nous écoute. Nous lançons un cri de cœur. C'est un cri de cœur que nous lançons aujourd'hui.
je crois que...